Mesdames et Messieurs les représentants des agences et systèmes des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, nationales et locales, Mesdames et Messieurs les représentants des différents clusters, sous-clusters, chers partenaires, à vos titres et qualités respectives. C'est véritablement un jour exceptionnel pour moi de participer à cette cérémonie solennelle de la sortie officielle de l'organisation non gouvernementale Dynamique Santé et Développement, ADF en sigle, dans la province du Kassai Central. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer une fois encore la vision des chefs d'État et des gouvernements qui ont jugé nécessaire et pertinent de créer le ministère des Actions humanitaires spécifiquement pour compléter l'architecture développementale dans notre pays, dont notre pays a besoin à travers une étroite collaboration des acteurs humanitaires et les services techniques de l'État. Pour soutenir les efforts du gouvernement national et provincial dans la recherche des financements nécessaires pour répondre aux besoins de développement et de réduction de la pauvreté qui se fait sentir dans tous les coins de notre pays en général et dans notre province du Kassai Central en particulier. Dans cette optique, les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre sont à suivre avec attention soutenue, en vue d'un échange fructueux, pouvant nous aider à relever les défis auxquels nous faisons face dans notre pays. Cela va permettre non seulement à la DISADEF et autres structures présentes dans la salle de nous tenir main dans la main, à se lancer pour traduire dans les actes concrets les besoins et volontés de nos dirigeants et de la population. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la cérémonie de la sortie officielle de la dynamique santé et développement d'ISADEF en cycle. Je dis et je vous remercie. Et assuré par Monsieur Kabuya Khan de Charles. Nous avons le poste d'administrateur délégué général ADG est assuré par M. Jacques Chibouro-Montana. Nous devons retenir de vous, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le poste du président du comité directeur. Ce poste est assuré par M. Mboutou Lougoula-Joseph. Nous avons le poste d'administrateur et gestionnaire des ressources humaines. Le poste est assuré par M. Kabinda Dona, Papiola, ainsi. Et nous avons le poste de secrétaire exécutif. Il est assuré par M. Floribert Koudimoteba. Nous avons le chargé des finances. Ici, c'est la chargée des finances et des opérations. Il s'agit bien sûr d'une dame. Madame Bitoumé Sorachel. Merci beaucoup. Nous avons le poste de chargé de marketing extérieur. Nous appelons M. Bakaji Kamote Bapince. Merci. Nous avons le poste de chargé des achats. Ici, c'est le chargé des achats logistiques et approvisionnement, le CALA. Nous demandons à Mme Sambamwa Kabongo-José de se tenir debout. Merci, madame. Merci. Nous avons le chargé de suivi. Le chargé de suivi, évaluation et recherche opérationnelle. Le chargé s'est excusé pour le nom éventuel de sa série. Pour venir pour vous présenter cette structure qui vient de naître. Qui sort du néant, mais cette structure qui va être comptée parmi tant d'autres qui existent déjà. Nous inclinons devant
volonté de nos aînés qui ont mis en place différentes organisations nationales et locales, et nous leur garantissons notre volonté à copier de leur bel exemple pour aussi grandir et continuer à servir notre patrie. Je me disais que si j'avais fait cette sortie officielle en décembre, la DISADEF serait à confondre avec les ventes que nous avons connues en décembre dernier. Mais pour nous démarquer de l'emprise de la jeunesse aujourd'hui, nous avons voulu ramener cette activité en janvier 2024 pour que nous puissions amener la jeunesse à comprendre qu'il n'y a pas que la politique qui puisse faire de jeunes des grands messieurs et des grandes dames pour servir notre pays. Je travaille sur le projet Jeunes Millionnaires de la République démocratique du Congo, où on a accompagné la République, ça va faire la deuxième année aujourd'hui, combien de projets de jeunes centres kassaïens ont été présentés au niveau national, des projets entrepreneuriaux. Je crois qu'on a primé autant de jeunes, hein, il n'y a pas 6 mois de cela, par le gouvernement central, mais je n'en crois même pas 2 ou 3 projets du Grand Kassaï qui ont été présentés. Pourquoi? Parce que la jeunesse aujourd'hui semble être oubliée ou elle-même s'oublie. Et nous devons alors travailler avec la jeunesse et pour la jeunesse pour que nous puissions préparer notre demain. Cela dit, je tiens à remercier les autorités qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour cet événement, mais aussi les partenaires qui, nombreux, sont venus nous accompagner pour cette activité. J'ai dit et je vous remercie. Mesdames, Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, nationales et locales, Mesdames et Messieurs les représentants des différents clusters et sous-clusters, chers partenaires, tous à vos titres et qualités considérés, je suis très heureuse de prendre encore une fois la parole devant vous. À toutes choses, nous disons merci à la dynamique santé et développement qui a rendu cette rencontre possible. Ensuite, par ces mots, nous venons de vous rassurer que nous avons suivi avec intérêt la mission et objectif et ardent désir qu'a la dynamique santé et développement de notre pays en général et la province du Kassaï central en particulier. Ceci s'inscrit dans les objectifs nobles du chef de l'État qui se dépasse pour rendre ce développement possible tel que faire les jeunes millionnaires, donner les emplois aux jeunes, s'investir dans les domaines de l'agriculture et j'en passe. En ce qui nous concerne, nous vous promettons un accompagnement et un soutien indéfectible pour la réalisation de tous ces objectifs que cette organisation s'est assignée. Pour ce faire, nous vous exhortons de rester en contact permanent avec les services techniques de l'État, toutefois quand le besoin se fait sentir. Sur ces mots, nous déclarons la sortie officielle et nous autorisons le fonctionnement de cette jeune structure dans la province du Kassaï central. Je vous remercie.